Apercevons maintenant la célèbre comète de Halley. Elle doit son nom à Edmund Halley, qui a été le premier à annoncer son retour. Elle frôle la Terre tous les 76 ans environ. Rendez-vous dans des endroits bizarroïdes. Tu te souviens la dernière fois? Oh oui. Je te laisse, je vais me placer en observateur. La dernière fois, c'était dans un golf miniature. On l'appelle la comète de César parce qu'elle a été observée pour la première fois en l'an 44 avant Jésus-Christ, le 15 mars pour être précis, les îles de Mars. Le jour même de l'assassinat de Jules César. Son orbite est tellement éloignée qu'il lui faut 253 ans pour passer de nouveau près de nous. Autant dire que la comète de César n'a vu notre bonne vieille planète que 8 fois depuis que Marc-Antoine a gravi les marches du Forum de la Rome antique et a félicité Brutus. C'est déjà mieux que le golf miniature. Ici, au moins, on peut s'asseoir. Alors, il y a urgence. Je vous écoute, moi. Mademoiselle! Garde! Arrêtez cette personne. Il y a un mort dans le planétarium. Et je crois qu'elle l'a aidé à passer la rampe. Mais c'est ridicule. Et c'est pas très galant. Attendez. Bon. Vous pouvez le mettre ici. Il va vite mourir. Et on ne le trouvera pas de sitôt. Thomas, un des gardiens de l'observatoire joue les chauffeurs d'une superbe blonde. Je trouve pas ça très normal. Thomas ? Thomas ! Tout va bien, Thomas? Bien sûr. Quand je pense à ce qu'il me réservait, je me sens très bien. De trop, 3 secondes qui provoqueront un désastre. Vous me donnez la nausée. Oui, j'ai la nausée rien qu'en vous regardant. Monsieur Crane. Retournez aux écuries, je vous rejoins tout de suite. Elsa, j'ose espérer que vous ne pensiez pas m'interrompre. Non, excusez-moi, je suis désolée. Je le sais, merci.
Comment ça s'est passé avec David Gentry au planétarium? Sans le moindre problème. Remarquez, un de ses amis est arrivé alors que je repartais, sans doute un agent du même service. Mes hommes se sont occupés de lui. Non, je regrette, mais un de vos hommes n'a pas pu s'en occuper. Il a été aperçu par un des miens partant avec votre brute. Oh, il ne dira rien parce qu'il ne sait rien, c'est déjà ça. Mais nous avons quand même un problème. Il m'a vu. Bravo. Thomas Sloan. Vous le connaissez? Oui, malheureusement. Quel dommage. Entre nous, Elsa, vous êtes sans rival pour abattre discrètement quelqu'un. Vous êtes merveilleuse. Mais si Sloan a aperçu votre visage, votre efficacité comme agent de cartel est fortement compromise. Sauf, bien entendu... Oui. Sauf, bien entendu, si vous parveniez à l'éliminer. Pourquoi? Parce que c'est un danger pour cartel ou pour vous? Rejoignez-moi aux écuries, s'il vous plaît. Pensez plutôt à votre mission. Au lieu d'essayer de faire de l'esprit avec moi. Monsieur le directeur, je suis dans l'appartement de David. Je viens d'ouvrir son coffre. Torque m'a fait parvenir les résultats de l'autopsie. David Gentry est mort foudroyé. Le poison utilisé est fabriqué par une tribu que l'on trouve en Amazonie. Nous n'avons rien appris du type que j'ai assommé. Mais pour la femme... Effie, c'est à toi. Thomas, d'abord toutes mes condoléances pour Monsieur Gentry. Merci, Effie. Parle-moi de la femme qui l'a tué. La description que vous nous avez fournie a permis une identification garantie à 99%. Nom, Elsa Martel. Profession, assassin. Très efficace et très cher. Mais pourquoi David? Si je le savais, il effectuait une mission de routine. La seule note insolite dans son dernier communiqué est une demande d'information sur un certain Ricardo Santiago de Buenos Aires. L'Amérique du Sud. D'où vient le poison comme par hasard? Et, monsieur le directeur, il ne vous aurait pas parlé de polo? De polo? Polo, sport équestre inventé par les Anglais en Inde. Et si? Non, Thomas, aucun moment, mais pourquoi ça? Voilà de la visite, je vous rappellerai. Polo. Et c'est dangereux comme sport, le polo. Il nous reste à espérer que M. Sloan se décidera à s'aventurer sur le terrain. J'allais vous poser la même question. Vous vous trouvez dans l'appartement de mon frère. J'appelle la police. Votre frère, mais vous êtes Denise? Denise Gentry. Et vous? Je suis Thomas Sloan, un collègue et un ami de votre frère. Vous travaillez dans le commercial? Sloan, il ne m'a jamais parlé de vous, c'est assez surprenant. La conversation n'est pas venue sur moi, tout bêtement, mais il m'a parlé de vous, par contre. Pour lui, vous étiez toujours sa petite sœur. Désolé, mais je ne vous crois pas. Et si je vous dis Cendrillon, je deviens plus crédible? Il m'a dit que vous aviez l'habitude de vous déguiser pour vos anniversaires et il avait fini par vous surnommer Cendrillon, c'est vrai? Mais je crois que ça ne prouve pas que vous étiez un de ses amis. Attendez, vous êtes aussi une excellente photographe, Denise. C'est vous qui avez pris ça? Qu'est-ce qu'il vous a dit d'autre? Que vous étiez marié à un reporter qui a été tué au Vietnam. Je suis désolé de vous rappeler ces mauvais souvenirs, mais il faut me croire. J'étais bien un ami de David.
Et pourquoi l'a-t-on tué? J'en sais rien. Eh bien, moi, je veux le découvrir. Une seconde. Non, je regrette, mais je ne comprends pas. Vous travaillez avec mon frère, paraît-il. Il était directeur commercial. C'était un type chouette. Et je sais qu'il travaillait pour le gouvernement. Alors pourquoi l'a-t-on froidement abattu, comme un chien? Est-ce que vous pouvez me l'expliquer? Je le voudrais bien. Au revoir, monsieur. Et merci encore de votre visite. À très bientôt, j'espère. Excusez-moi, monsieur, mais ce n'est pas... Oh, mais ici, voyons, mais ici. Toute sa famille s'habille chez nous depuis des générations et des générations. Bon, en étions-nous? Ah oui, bien sûr. Votre ami, monsieur... Gentry. C'est ça, David Gentry. Ah, voilà, j'ai trouvé. Oui. Et nous avons effectivement habillé monsieur Gentry. Et vous en avez fait un prince? Oh, nous avons fait de notre mieux. Pourriez-vous obtenir le même résultat avec moi? Oh, Arbrisse, j'ai tout disposé à se mettre à votre service. Si vous voulez bien passer dans le salon d'essayage. Merci. Je crois que nous allons commencer par prendre toutes vos mesures, cher monsieur. Et si vous voulez bien monter. Excusez-moi. Le cheval? Ah oui, le cheval, bien sûr. Ah, bien. Je vois que vous avez une grande habileté, cher monsieur Sloan. Merci. Est-ce que vous êtes confortable? Je n'ai pas à me plaindre. Voulez-vous me montrer votre hauteur? Votre hauteur? Sur la selle? Au trot? Au trot? Oui, au trot, bien sûr. Très élégante, très élégante. Je vais appeler notre coupeur. Il travaille chez nous depuis 37 ans. Le meilleur des coupeurs. Le meilleur des coupeurs. Alors, Henley, vous pouvez monter, j'ai besoin de vous. Tout de suite, monsieur. Notre coupeur arrive tout de suite, monsieur. Je peux descendre? Oh, bien sûr, bien sûr. J'ai un autre ami, Ricardo Santiago, qui a vanté les mérites de votre coupeur. Il en était enchanté. Ah, vous connaissez aussi M. Santiago, un client très fidèle. Et pour tout vous dire, il était encore tout récemment chez nous. Il se préparait à voguer vers les États-Unis pour disputer des matchs. Il devait débuter le 16, il me semble. Conserver des dossiers complets sur tous vos clients. Arbridge s'est toujours vanté de conserver des fichiers complets sur tous ceux qui passent cette porte. Nous avons leurs mesures, leurs manies, des photographies. Oh, excusez-moi, monsieur, Henley va s'occuper de vous. Immédiatement. Bonjour, monsieur. Bonjour. Excusez-moi, mais vous n'avez pas d'autres coloris? Mais quel coloris cherchez-vous, monsieur? Vert et pourpre. Vert et pourpre? Les couleurs de la famille, vous comprenez? Ah, je vois. Oui, oui, je reconnais que... Oui, ces couleurs sont ravissantes. Permettez-moi de vérifier dans notre stock. C'est très gentil à vous, merci. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je m'appelle Henley. Bonjour. Bien, monsieur, si vous voulez passer par ici une petite seconde. Bien sûr. Attendez, je vous demanderai d'enlever votre veste. Permettez? Merci. Bien, commençons par les manches. Ne bougez pas. Ça ne va pas être long. Non. Pas de problème, Thomas. La maison Arbridge a tous ses fichiers à jour, sauf celui de Ricardo Santiago.
Sloan. Tu lui offres ta main? Pas encore. À quoi vous jouez, Kelly? Bonjour. Nous améliorons les possibilités du laser. Si tu veux du thé, te gêne pas. Sans façon. Vos informations se sont toutes vérifiées. Il existe bien un Ricardo Santiago qui a débarqué aux États-Unis avec... Effie, s'il te plaît. Oui, monsieur le directeur, avec des poneys de polo et deux palefreniers de sexe féminin. Ces photos ont été prises au club de polo de Warwick où se trouvent ces poneys. Effie, tu voudrais pas accentuer les contrastes et je serais pas contre un gros plan. Voilà. Bien. Enlève-lui ses moustaches. Je me trompais pas. Mais il est mort, non? Effie, fais circuler M. Jefferson Crane dans tes mémoires, s'il te plaît. Mais c'est impossible. Jefferson Crane, nom de code Hammer, agent de cartel, a participé à un certain nombre d'attentats. Est sans doute responsable de la catastrophe de Salanos et de la pollution des eaux de New Delhi, entre autres choses. Mais vous savez très bien que Crane est mort il y a déjà 4 ans. Et sa mort a été constatée officiellement, il n'y a pas eu de doute. Je suis au courant. C'est moi qui l'ai tué. Je dois reconnaître que c'est étonnant. C'est même prodigieux. J'espère que cela suffira, monsieur Santiago. Je dois vous avouer que j'ai trouvé ces calculs astronomiques tout à fait fascinants. Et plutôt effrayants, je ne vous le cacherai pas. Parfait. J'espère que les téléspectateurs réagiront comme vous. Notre animation devrait être absolument terrifiante si elle est bien réussie. Je dois reconnaître que votre petite production est vraiment fantastique. C'est assez extraordinaire. Une comète qui peut être déviée avec de tels moyens. Docteur, vous me paraissez nerveux. Eh bien, pour moi, c'est seulement un exercice théorique, bien entendu, mais il pourrait effectivement être réalisé. Non. Et ce ne serait plus de la science-fiction. Mais je suis certaine que le coût d'une opération aussi importante serait prohibitif. En réalité, toutes les nations de la grande famille nucléaire qui auraient la folie de se lancer dans ce projet... Arrêtez, docteur, je vous en prie. Je ne suis qu'un producteur de télé, et même si mon budget est assez important pour tuer des millions de pauvres gens, ce serait seulement une mort par ennui. Je ne suis pas un sanguinaire. Non, parlons sérieusement, où en êtes-vous? J'ai essayé de vous joindre tout à l'heure à votre studio de télévision. Je n'ai pas pu arriver jusqu'à vous. Ah, c'est vrai? Alors j'ai téléphoné au syndicat des producteurs de télévision et ils n'ont jamais entendu parler de vous. Vous n'auriez pas dû faire ça, mon cher Hellman. Vous m'avez menti depuis le début, reconnaissez-le. Oui. Vous avez vraiment l'intention de dévier la trajectoire d'une comète pour qu'elle entre en collision avec la Terre? Oui, et alors? C'est de la folie douce. Je ne vous donnerai plus aucun renseignement. Je ne peux pas vous laisser faire ça. Ce n'est plus la peine de téléphoner. Je suis vraiment désolé que vous ne marchiez pas avec nous, sincèrement. Mais vous ne me laissez pas le choix. Que je regrette, moi aussi. Mais si vous êtes décidé. Hein? C'est drôle, je ne m'y habituerai jamais. Je suis prêt à faire mourir des milliers de personnes, mais la vue d'un cadavre... Pensez à prendre tous ces résultats. Je ne me sens pas très bien. Jeter un œil sur les chevaux de Santiago.
David Gentry avait une bonne raison de fixer le rendez-vous à l'observatoire. Cette marque. Elle est sur tous ses chevaux. On dirait un oiseau, c'est pas ça? Non, c'est le symbole astronomique d'une comète. Et je n'aime pas les coïncidences. Alors, perds pas de temps, va lui en parler maintenant. D'accord, j'y vais, mais tu m'attends. C'est ennuyeux, mademoiselle. Nos membres détestent la publicité. Mais c'est pour un magazine de mode masculine. Je suis persuadée que c'est une bonne chose pour le club. Mais de toute manière, je ne publierai rien sans l'accord de tout le monde, alors vous serez protégés. Et aussi, je l'ai bien dit, je suis disposée à payer pour vos heures perdues. Je crois qu'il n'y aura pas de problème. Remarquablement joué. Monsieur Santiago. Nous nous sommes déjà vus, monsieur. Vous ressemblez à un homme que j'ai tué. Ah oui? Oui, cet homme était à New Delhi et il polluait l'eau potable. C'était un adepte des génocides. Vous avez un sens de l'humour des plus raffinés. Et vous avez un cheval des plus élégants. C'est un cheval américain? Non, les poneys de polo américains ne sont pas très efficaces. C'est bien pour ça que je remporterai tous les matchs dans ce pays. Sauf si les étoiles prédisent le contraire. Les étoiles? Vous êtes astrologue ou diseur de bonne aventure? Ah, non, 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 ni l'un ni l'autre, cher monsieur. Mais en réfléchissant bien, je peux prédire l'avenir. Quel don extraordinaire! Est-ce que vous pourriez prédire le mien? Vous, monsieur Santiago, vous ne vivrez pas longtemps. Mais vous le savez. Sans blague. Jimmy! Je suis désolé, monsieur Sloan. Mais je n'ai plus le temps de bavarder. Comment avez-vous deviné que je m'appelais Sloan? Sloan, il ne quittera le terrain que les pieds devant. Tiens, tiens. Je sais que j'ai un physique qui fascine les photographes de mode, mais je ne crois pas que cette rencontre soit vraiment due au hasard. On ne peut rien vous cacher. Je suis passée à la boutique de polo de la maison Harbridge. Vous vous étiez renseignée sur un monsieur Santiago. Je l'ai retrouvé en faisant une petite enquête. Et sur qui je tombe ici? Le monde est petit. Qui êtes-vous vraiment, monsieur Sloan? Qui êtes-vous? Appelez-moi Thomas. Et j'étais un bon copain de David. Depuis longtemps. Et elle? C'est une bonne copine à vous? Il y avait foule dans cette boutique. Vous entrez et cette jeune personne en sort. Et deux minutes plus tard, c'est lui qui sort comme s'il avait vu le diable. Je trouve que vous avez des fréquentations douteuses, Thomas Sloan. Ce ne sont pas mes amis, je ne les connais pas. Venez. Je peux savoir ce qui se passe? Thank you.
Ces joueurs ont la vue dramatiquement basse, ils ne distinguent pas une fourgonnette d'une balle. Il est chargé. Alors d'abord, vous sortez du centre et je vous dirai quelle direction prendre. Écoutez, je dois vous avertir que vous prenez des risques inconsidérés. Ce sont deux très gros missiles que je transporte dans ce camion. Exactement, des XK3, oui, je sais. Et ils sont même à carburant solide. Alors écoutez, montrez-vous obéissant et vous vous en tirerez sans une égratignure. C'est clair, j'espère. Allez, démarrez, vite! Excusez-moi, mademoiselle Wilson, est-ce que je pourrais vous parler un moment? Oui, qu'y a-t-il? J'ai su à la réception que vous étiez l'assistante du docteur Hellman et je tenais à venir vous dire quelle peine j'avais eue en apprenant sa mort. Merci. Vous étiez un ami du docteur Hellman, monsieur? Sloan. Thomas Sloan. Non, je n'ai pas eu cette chance. Je ne connaissais pas le docteur. Je m'intéresse beaucoup à l'astronomie. J'avais une admiration immense pour ses travaux et en particulier ses extraordinaires photographies. Je me souviens de celle des étoiles naines. Oh, c'était vraiment incroyable. Oui, elles étaient magnifiques. Oh, admirable. J'ai entendu dire qu'il avait pris des photos d'étoiles naines blanches, mais je n'ai jamais pu les voir. Est-ce que par hasard il y en a ici? Mais bien sûr qu'il y en a. Peut-être auriez-vous la gentillesse de me les expliquer. Oh, ça m'ennuie de devoir m'éloigner du bureau. Oh, je sais que la journée a été rude pour vous. Vous avez droit à une pause. Oh, ça ne serait pas honnête. Le docteur Hellman a laissé des instructions disant qu'à sa mort, tous ses papiers devaient être envoyés immédiatement à l'Institut Simpsonien. Oh oui, mais ce grand institut nous montre des merveilles depuis déjà plus de 125 ans. Il n'en est sûrement pas une minute ou deux. Hein? D'accord. Merci. Tenez, regardez. Oh, fantastique. Je sais que votre travail est épuisant, mais je vous envie. Ah oui, avoir la chance de vivre là, au milieu de tous ces travaux originaux. Ah ça oui, alors j'ai beaucoup de chance. Je serais vraiment très heureux si je pouvais voir ces derniers projets. Je regrette, mais ces dernières instructions étaient de ne les montrer à personne sans exception. Même la police doit avoir un mandat spécial pour ça. Écoutez, je m'excuse, mais j'ai du travail. Attendez, on dirait la photo d'un de ces fameux trous noirs. Le docteur Hellman le croyait, mais il était bien le seul. Pourriez-vous me parler des projets sur lesquels le grand homme travaillait ces temps-ci? Oh, je n'en sais pratiquement rien. En fait, il m'en a parlé très peu. Il avait commencé des calculs sur la comète de César dernièrement. Je vous demande de m'excuser, mais lorsqu'il parlait de cette comète, il espérait vraiment qu'elle apparaîtrait de son vivant. Je dois m'en aller maintenant. Attendez! Je vous raccompagne. Si cela peut vous consoler, la police trouvera celui qui a tué le docteur Hellman. T'as trouvé quelque chose? Oui, j'ai trouvé une chemise avec le nom de Santiago marqué dessus. Elle contenait un tas de notes écrites à la main et à mon avis, c'était sûrement des calculs d'orbite.
D'après ce que m'a dit son assistante, il devrait se rapporter à la trajectoire de la comète. Mais au fond de moi, j'ai l'impression que Jefferson Crane espère sûrement dominer quelque chose de plus puissant qu'un poney de polo. César, c'est à cause de la comète? Non. À cause du conquérant du monde. L'empereur César qui régnait sur Rome. Quand j'attaquerai, les flammes tomberont du ciel. Ils vont comprendre que je parle sérieusement. Et ils auront une idée de ce qui risque de se passer s'ils refusent de m'écouter. L'envoi d'un missile à neutrons, peut-être. Non. Ces missiles sont dérisoires, ma chère. Mise à feu dans 10 secondes. 10, 9. Mon arme sera beaucoup plus forte que les missiles à neutrons et autres bombes. Elle sera 1 million de fois. 5, 4, plus puissante. 3, 2, 1. Enfin, César. Je m'étais habitué à une fausse image de moi-même, dans le genre jeune et joli photographe qui se veut toujours dans le vent. Ignorant la peur et les menaces de danger, si elle réussit une bonne photo qui aidera à comprendre une histoire et à capturer la moindre petite parcelle de vérité. Et cet après-midi, au polo, cette image s'est trouvée brutalement effacée en 1 minute devant la peur. J'ai trouvé au contraire que vous aviez réagi en championne. Si je n'ai pas tourné de l'œil, c'est uniquement parce que vous étiez là que vous me supportiez. Mais je vous remercie quand même. Est-ce que vous voulez quelque chose à boire? Je voudrais bien un verre de vin. Tout de suite. Je suis venu vous voir pour savoir si vous alliez mieux. Ah oui, merci. C'est gentil à vous d'être passé. Vous voulez connaître une autre image fausse que j'avais? Bien sûr. Je pensais que mon frère et moi étions proches l'un de l'autre. Et je sais maintenant que j'ignorais tout de ce qu'il faisait. Votre frère vous aimait. C'est important, je crois. Santé. Mais il n'avait rien d'un économiste et vous n'en avez rien non plus d'ailleurs. Alors qu'est-ce que vous faites dans la vie, Thomas Sloane? Ou plutôt, qui êtes-vous? Je peux seulement dire que je fais un travail qu'il faut bien faire. Et pour lequel vous pourriez être tué? Bon, j'espère que non. Vous n'êtes pas le seul. Et vous avez dit vrai. J'ai suffisamment perdu d'être cher. Et je ne voudrais plus en perdre. Je n'oublierai pas ça. Faites attention. Je vous le dis du fond du cœur. Faites attention, je vous en prie. S'il devait vous arriver quelque chose, alors là... Il y a une chose dont je suis certain. Une fois que cette affaire sera finie, vous et moi, nous nous reverrons beaucoup plus longuement. C'est une promesse? Non. C'est un fait. Oui, Thomas. La mort du docteur Hellman, par le même poison utilisé sur David Gentry, et le dossier que Turk a trouvé dans le bureau d'Hellman confirme notre théorie selon laquelle si David a choisi de donner son rendez-vous à l'observatoire, c'est pour une bonne raison. Et fille, qu'en penses-tu? Tu as pu éclaircir ce que le docteur Hellman voulait calculer? Oui, Thomas. Je viens juste de terminer mon analyse. Oh, ne me félicitez surtout pas, ce n'est pas la peine. Dépêche-toi, tu veux? Et puisque vous l'ignorez, la comète de César est revenue dans notre système solaire après une absence de 253 ans. Et dans très précisément 51 heures, 21 minutes et 8 secondes, elle passera dangereusement près de notre vieille planète. Et les notes du docteur Hellman, que nous apprennent-elles? Il a calculé qu'en choisissant les endroits adéquats, il suffisait de l'explosion de 2 missiles à neutrons pour que la comète change de trajectoire. Et s'écrase sur la Terre? Pour être plus exact, sur l'Amérique du Nord. Et les calculs des filles sont très clairs. Il y a 9 chances sur 10 qu'une telle probabilité se produise. Aucune puissance sur Terre ne prendrait ce risque-là. Non, aucune des puissances sérieuses. Mais j'ai reçu un rapport tout à l'heure. Et il disait que 2 missiles à neutrons avaient été volés dans un centre de recherche il y a maintenant 12 heures par une force organisée non identifiée. Moi, je connais le voleur. Jefferson Crane. Ah, je suis bien de votre avis, oui. Et puis, quand ils seront lancés, est-ce qu'on les repérera? C'est un peu tard. Le centre de détection de missiles nous a appris qu'un des missiles volés avait été lancé il y a 3 heures. Qu'on l'abatte tout de suite? Impossible. Il est équipé pour envoyer des centaines de signaux de diversion. Il n'y a aucun moyen de le localiser et de le détruire. Le président vous demande, monsieur le directeur. Effie, que se passera-t-il quand le missile heurtera la comète? Elle obliquera vers nous et causera les mêmes destructions que celles que vous allez voir sur l'écran.
Compris, oui, merci. Et cela arrivera quand, d'après toi, Effie? Nous commencerons à ressentir les premiers effets dans quelques heures seulement. Thomas, vous aviez raison pour Jefferson Crane. Le président vient de recevoir un ultimatum envoyé par l'un des complices de ce fou. Mais qu'est-ce qu'il veut? Il demande qu'on donne pour 3 milliards de dollars de bijoux à cartel. Sinon, il nous menace d'utiliser le second missile pour que la comète entre en collision avec la Terre. Et vous savez ce que cela signifie. Thomas, un appel urgent pour vous. Branche-le ici, s'il te plaît. Thomas? Bonjour, Denise. Je viens de développer le film de toutes les photos que j'ai prises au polo. Et je viens de repérer sur l'une d'elles une personne qui devrait sûrement vous intéresser. La femme que j'ai vue à la porte de cette boutique de sport à Londres. Elsa Martel? Elle fait quelque chose de spécial sur votre photo? J'ai pas regardé, je viens à peine de terminer mon tirage. Oui, elle donne de l'argent à un homme. Et ils se tiennent debout devant un vent. Denise, est-ce qu'il y a quelque chose d'écrit sur ce vent? Oui, mais je n'arrive pas à tout lire. On aperçoit seulement la fin des mots. Brillard et au-dessous, Robles. Denise, vous êtes une fille merveilleuse. Regardez s'il n'y a pas d'autres petits détails. J'arrive immédiatement. Tout de suite. Oh non, attends. Vous ne commettrez pas la folie de crier? Non, elle sera bien sage. Bon, d'abord, nous allons chercher et détruire les photos compromettantes qu'elle a eu le tort de prendre. Ensuite, elle sera ravie de nous raconter exactement la même chose qu'elle vient de dire à Sloane. C'est le sud-est du pays qui a subi les plus fortes dévastations. Les inondations soudaines qui se sont produites ont fait au moins 20 000 sans-abri. Le montant des dégâts est encore incalculable. Dans la petite ville de New Herndon, en Caroline du Sud, le pont enjambant la rivière Mahaset s'est effondré, entraînant la mort de plusieurs personnes. Désolé, je n'ai pas le droit de parler à un inconnu des affaires personnelles de nos membres, ni de leurs invités. Personne ne le saura. Eh bien... En tout cas, je regrette. Je n'en sais pas beaucoup sur M. Santiago. Il est plutôt riche, ça, oui, bien sûr. Il adore le polo. Je ne peux malheureusement pas vous en apprendre beaucoup plus. Personne n'a tendance à parler de ses affaires ici. Et... Une fois ou deux, j'ai pu surprendre ce qu'il disait. Il parlait des poneys de polo. Il paraît qu'il en trouvait souvent plus haut vers le nord. Mais vous ne savez pas où? Il parlait d'un petit ranch à Paso Robles. Bizarre. Le seigneur Santiago n'était pourtant pas enthousiasmé par les poneys américains. Tu crois que Crane compte vraiment lancer le second missile? Oui, je pense qu'il enverra le missile, qu'on lui paye ce qu'il veut ou non. Cette espèce de dingue s'amusera à tous nous détruire alors, hein? On raconte qu'il se prend pour César. Ça répond à ta question? Encore combien de temps à attendre? Dans 2 heures environ, la comète s'écrasera sur l'Amérique. Et nous serons partis dans l'autre hémisphère. Et attends. Et on va se débarrasser d'elle avant? On pourrait l'envoyer rejoindre son frère tout de suite. Non, non, attendez, attendez. La partie est gagnée, mais elle n'est pas tout à fait terminée. Évitons la moindre erreur qui nous la ferait perdre. C'est vous qui avez tué mon frère? Non. Ce n'est pas lui, c'est moi qui ai fait ça. J'ai dit pas encore. J'ai horreur de répéter mes ordres. Et vous le savez, je ne le supporte pas. Et puis aussi, j'avais prévu de m'occuper un peu d'elle. Ensuite, vous la tuerez. Si vous y tenez. Sweet Brillard, Stone Brillard, Rose Brillard. Il y a des brillards dans presque chaque nom par ici. Alors, voilà un autre pour changer.
Oh, s'il vous plaît. Oui. Nous cherchons un ami. Monsieur Santiago. Oui, monsieur Santiago est venu ici chercher plusieurs jeunes chevaux pour son ranch. Mais il est parti avec quelques-uns des chevaux dans la colline pour aller les faire courir dans la nature. Vous savez où il est parti? Bon. Mais monsieur, vous rencontrez la nature partout dans la région. Montagnes, ravins, canyons, nous avons de tout ici. Bah, vous avez vu dans quelle direction il s'en est allé? Oui, monsieur Santiago l'a dit avant de partir. Vers l'est. Il voulait aller en pleine montagne. Merci. Voilà. Quartier général, répondez. Thomas est en ligne, monsieur le directeur. Thomas, je viens de parler au président, il a décidé de payer la rançon. Ça n'empêchera pas Crane de faire partir le missile. Ah oui? Et comment en êtes-vous sûr? J'ai le missile sous les yeux. Il est en position verticale. Et les techniciens ont l'air prêts pour le compte à rebours. Donnez-moi votre position, les appareils de l'armée de l'air vont tout faire sauter dans 5 minutes. Mais ils n'attendront pas 5 minutes. Deux au plus, et encore. Écoutez, je vais laisser l'émetteur ouvert pour qu'Effi puisse le repérer. Terminé. Une femme à déjeuner, vous aviez l'habitude de l'emmener à Paris. Oh non, seulement les femmes qui comptent vraiment à mes yeux. C'est vrai ce que vous dites là? Absolument. Je l'espère. Ça fait 100 ans au moins qu'un homme ne m'a pas plu autant. Alors à vous, cher monsieur Thomas Sloane, l'homme mystérieux. Ça va être très amusant d'apprendre à se connaître. Il y a des façons moins agréables de passer le temps. Bonjour. Une table pour deux, s'il vous plaît. Mais oui. Par ici, monsieur. Ça, alors, quelle coïncidence de se retrouver justement ici. À 10 000 kilomètres de chez nous, dans un petit château des environs de Paris. Torque, tu voudrais me faire croire que c'est une coïncidence. Voilà Monique. Il m'attend à Paris. Bonjour. Tu m'as tellement souvent raconté que c'était un véritable paradis ici pour y amener une femme qu'on supporte plusieurs jours que nous avons décidé de venir. Elle est charmante. Merci. Tu es sûr de n'avoir aucun message du directeur, rien d'urgent, aucun feu qu'il faut partir éteindre au bout du monde ou je sais quoi. Tout ce que nous avons à faire, Thomas, c'est savourer l'instant. Ah. Bon appétit. Oui, monsieur le directeur. Torque, vous devez rentrer immédiatement aux États-Unis. Thomas est justement ici, alors je suppose qu'il faut qu'il revienne avec moi. Non. Il a besoin de vacances, lui. Bon retour, Torque.